Bah écoutez, monsieur le directeur, je suis très fier de vous remettre aujourd'hui, après la visite de votre entreprise, ce symbole qui marque l'engagement de l'État à vos côtés pour votre projet d'investissement, qui sera soutenu par l'État à hauteur de 320 000 euros, et qui concrétise l'ambition que nous avons au niveau gouvernemental d'accompagner la redynamique économique en encourageant et en accompagnant les entreprises qui ont des projets innovants. Vous êtes sur un secteur innovant, vous cherchez à développer des technologies innovantes, vous aviez besoin d'un accompagnement financier pour porter cet investissement. L'État a répondu favorablement et ce logo posé sur votre entreprise permettra de rappeler à tout le monde qu'effectivement vous avez été bénéficiaire de ce soutien. Voilà. Merci monsieur le préfet. Donc on a eu cette volonté de développer ces moteurs et pendant la crise du Covid l'année dernière, on a suivi toutes les propositions, les aides de l'État qui étaient proposées et on a trouvé un créneau sur une des solutions de relance qui allait bien avec nos projets. Donc pouvoir développer un moteur de compétition avec des procédés de fabrication industrialisés, puisque là, ces moteurs-là restent des prototypes qui sont faits en toute petite série et qui coûtent extrêmement cher à produire. Donc, grâce au plan de relance, on va pouvoir industrialiser, donc investir dans des fonderies, dans de la forge, dans des nouveaux procédés, mais surtout le faire avec des industries locales le plus possible dans la région Rhône-Alpes et sinon sur la France.